Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je viens de déposer ma chérie à son travail et j'avais envie de te parler aujourd'hui. Je suis dans Bordeaux, comme peut-être tu le sais ou peut-être que tu ne le sais pas. Nous avons déménagé avec ma chérie à Bordeaux en septembre dernier. La ville est magnifique, j'adore être à Bordeaux. C'est vraiment une ville qui est géniale. On habite à l'extérieur de Bordeaux et c'est vraiment top. Et aujourd'hui, je te retrouve dans ce nouveau format que j'utilise déjà dans, comment ça s'appelle, sur ma deuxième chaîne YouTube, en fait, sur ma chaîne vraiment un peu spécialisée développement personnel. Et aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose que j'ai mis en place depuis peu. Tu as sûrement dû voir hier un article de blog que j'ai proposé. J'en repropose plusieurs depuis quelques temps. Ça me fait du bien de le refaire parce que j'ai vécu des petites choses un peu, je vais pas dire négatives, des petites expériences un peu enrichissantes aussi. Négatives mais enrichissantes sur voilà, trop de spiritualité, trop de boulot, trop de choses. Et j'ai dû me poser un petit peu des questions sur moi-même. Ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose un nouveau format pour pouvoir te parler, tu vois, tout en faisant une activité, en écrivant des articles de blog. Et par rapport à ça, ce que je voulais te dire, c'est qu'hier, j'ai fait un article de blog sur créer et vendre des formations en ligne, qui est un peu le nouvel Eldorado et que j'entends beaucoup en ce moment sur des clients que j'accompagne, des personnes que j'accompagne, pour les aider à mettre en place des plateformes de formation en ligne pour leurs clients-clientes ou même leur audience cible. Et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle ne prend pas de temps, enfin, elle ne prend pas énormément de temps, c'est-à-dire que tu peux avoir une activité déjà à côté, tu peux être déjà à ton compte ou tu peux te mettre à ton compte et développer cette activité parce que c'est vraiment une activité passionnante quand tu as quelque chose à partager, quand tu as quelque chose que tu veux montrer à tes clients. Les fidéliser, quand tu veux les accompagner plus amplement avec voilà, des cours particuliers, des choses comme ça. L'avantage avec ce type de contenu, c'est que on va dire que tu l'enregistres une fois et tu le diffuses après 10, 20, 100, 30, 1000 personnes en fonction de l'audience que tu vas pouvoir attirer par rapport à ça. Et surtout que c'est une nouvelle facette des services que tu peux proposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment t'inviter à réfléchir par rapport à ton secteur d'activité, que tu sois dans le bien-être, que tu sois entrepreneur, que tu fasses du vlog, que tu fasses voilà, du voyage, que tu fasses de l'entrepreneuriat, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Et j'accompagne en ce moment ces personnes-là dans la création de plateformes en ligne, de formations, d'accompagnement vraiment personnalisé. Et ça leur plaît, je m'aperçois que ça leur plaît parce que ces personnes ont envie d'apporter plus à leur audience, ont envie aussi de générer des revenus passifs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont prestataires de services et qui veulent effectivement vendre leurs services, mais ça leur prend beaucoup de temps. Et on le sait aujourd'hui, la crise qu'on est en train de vivre fait que tout augmente, que les impôts augmentent, les prix de tout, de l'immobilier et tout ça augmente. Et donc, il faut trouver des nouveaux moyens de s'adapter. Et beaucoup de personnes aujourd'hui veulent se diriger vers ce qu'on appelle l'infoprenariat, le fait de pouvoir vendre de l'information par le biais d'un blog, par le biais d'une plateforme de formation en ligne, de vente d'e-books et tout ça. Et c'est vrai que c'est en ce moment des choses que je vois de plus en plus et des personnes me sollicitent par rapport à ça. Et moi, je leur apporte des solutions. Alors, soit je les renseigne, je leur dis, bah, tiens, tu peux faire ça, 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 et ça me fait plaisir de le faire. Ou alors, je les accompagne carrément à le faire. Je les accompagne à le faire ou je leur fais directement. Et ce que j'ai proposé, que tu as dû voir récemment dans un autre article de blog, c'est que maintenant, je me suis détaché totalement un peu de cette question de toujours aller chercher beaucoup plus d'argent, toujours vendre, vendre, vendre. Je me suis mis plutôt en tête aujourd'hui d'être payé au résultat, quand c'est possible. Et ce que j'entends par payer au résultat, c'est de… s'il n'y a pas de résultat, je ne suis pas payé. S'il y a des résultats, je suis payé. Alors, comment on vend ça? Tout simplement sur justement des plateformes comme ça, de coaching qu'on met en place, des plateformes de formation qu'on met en place
Je te dis par exemple Podia. Podia, c'est une super plateforme pas trop chère qui te permet de créer des webinaires, de créer des cours en ligne, de vendre des produits digitaux si tu as des templates, si tu as des e-books, si tu as des outils, des choses comme ça, mais aussi des coachings, des sessions de coaching. Et moi, j'aide ces personnes à le faire et je ne leur prends pas un tarif fixe ou un tarif au forfait, je leur prends un tarif à la commission sur les résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour eux, mais aussi pour moi, parce que c'est vraiment gagnant-gagnant. Et comment ça fonctionne? Tout simplement, je leur apprends ou je les aide à développer leur page de vente, à développer leur plateforme en ligne et tout ça. Leur job à ces personnes, c'est de faire de la promotion sur leurs réseaux sociaux, parce que moi, je ne peux pas le faire à leur place. Une fois que ces personnes elles font de la vente, moi je les coach derrière, je leur dis t'as vendu combien, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, et en fait moi le but c'est que pour être payé il faut qu'il y ait des résultats, donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant pour eux parce qu'ils n'ont rien à débourser, mais pour moi parce que si mon expertise fait en sorte qu'ils génèrent beaucoup de ventes, je suis gagnant. C'est-à-dire que je suis même plus gagnant que si j'avais fait au forfait. Donc, c'est vraiment vers ça que je voulais te faire une vidéo aujourd'hui pour t'inviter à réfléchir peut-être à ça. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui t'intéresserait? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose que tu pourrais te lancer, dans lequel tu pourrais te lancer si tu ne t'es pas lancé parce que tu es entrepreneur ou que tu n'es pas encore entrepreneur et que tu voudrais découvrir un moyen de gagner de l'argent sur des choses que tu connais, des compétences que tu as ou autres. Et par rapport à ça, moi je trouve ça vraiment intéressant de mettre en place ce système de gagnant-gagnant. Tu es gagnant, je suis gagnant. Donc c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo dans un format un peu différent où tu me vois conduire, où j'avais le temps justement de t'en parler. Je te mets tous les liens dans la description. Et puis, si ce contenu t'a plu et si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me contacter et on en discutera. Je te souhaite une très belle journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!